Samedi 25 avril, la Villa La Solitaire a fêté les 10 ans de la fédération A4 qui regroupe de nombreuses associations. À cette occasion, elle a ouvert ses portes au public. L'idée, donc, c'est de réunir les associations qui poursuivent des buts assez différents sous un même toit et puis de créer de temps en temps des interactions comme c'est le cas aujourd'hui où donc, toutes les associations se sont réunies pour organiser ces portes ouvertes et puis fêter les 10 ans de la présence de ces associations. En tout, 5 associations se partagent les murs de la Villa La Solitaire. Petit tour d'horizon, à commencer par une association de modélistes ferroviaires, fans de rails. Personnellement, je tourne avec une maquette en courant alternatif, sur une base marteline. Et mon ami, ici présent, lui travaille en courant continu avec une base VESA. On construit nos maquettes, on les entretient, on entretient notre matériel. On a démonté de temps en temps nos locaux, de façon à pouvoir nettoyer tout ça. Il y a le graissage, il y a tout. Les wagons aussi, il y a des tas de choses à entretenir. Ça nous prend, disons, le quart du temps passé réellement à se distraire autrement sur notre maquette. C'est une association qui réunit des musiciens amateurs pour faire en fait de la musique de chambre. Et grâce à la ville de Lancy, on bénéficie donc de ce beau local. Donc c'est vraiment de la musique de chambre dans sa première acception du terme. Et voilà, et on se produit à différentes occasions sur la commune de Lancy, notamment lors d'un concert, on peut dire annuel ou parfois bisannuel, qui a lieu non pas ici, mais au centre Marignac, à la salle de la plage. Et ça se passe en automne. Mixité est une association de bénévoles qui défend les intérêts des habitants du square Clermatin, qui compte environ 2000 habitants. Elle existe depuis 2001. Mixité s'est beaucoup investie pour la création de la Villa La Solitaire, dans le but d'offrir un lieu d'activité proche des habitants du square. En plus des activités dans le quartier, Mixité organise des activités à la Villa La Solitaire depuis 2005. Aide aux devoirs, cours de français, appui de mathématiques, ateliers de bricolage, divers cours, la fête de l'escalade et, nouvellement, des soirées jeux de société. Tourisme for Help, je dirais, par rapport aux autres années, continue son travail de promotion du tourisme solidaire, de favoriser la solidarité des touristes dans les pays qu'ils vont visiter. Tourisme for Help avait donc créé un projet au Cambodge, un projet au Mali, et depuis quelques mois, nous avons un nouveau projet au Sénégal. C'est un centre de formation pour des jeunes qui sont nécessiteux, des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de fréquenter l'école assidûment. Et nous leur apprenons les métiers du tourisme, de l'hôtellerie. Nous étendons également cette collaboration avec la promotion du maraîchage. Nous sommes la compagnie Farfelune. Ici, au Petit Lancy. Nos spectacles donc, sont pour tout public, même pour les plus âgés. On écrit beaucoup pour les animaux, des animaux, avec des animaux. Et voilà, on aime les marionnettes à fil. Ce printemps, différents rendez-vous sont déjà au programme. La fête de quartier le 9 mai au Square Clair matin, ainsi qu'une représentation de la compagnie Farfelune à la salle communale de Tonnet le 17 mai.